Bon, la tête est énorme, hein, je la mettrai pas, mais... Ah, on revient à... Je me rappelle pas son nom. Ah, Germaine, on va l'appeler Germaine, ouais. J'aurais dû t'écouter. Abipti. Ces mots ne seront pas tes derniers. Putain, vous êtes qui? William Miles, ça te dit quelque chose? L'assassin? Donc tu me connais? Nous, les assassins, nous t'avons observé. Il est... inhabituel pour un employé d'Abstergo de s'intéresser à une révolution. Là, vous n'avez pas tort. C'est le père de Desmond, je crois. Nous avons suivi ton travail sur l'Animus. Étonnant ce que Diana et toi avez accompli. Dis. Ils t'ont menti, hein. Sophia Rikin t'a fait tellement de promesses. Ça suffit! Je refuse de parler d'elle. Oui. Nous aurons des tas d'autres sujets à aborder d'ici Alexandrie. Si vous croyez que je vais venir avec vous... Eh bien, voyons tes autres options. Tu peux venir avec moi, ou rester ici pour jouer la danse de la mort encore et encore jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Il te suffit d'en faire une seule. Tu ne peux pas revenir à ton ancienne vie, Leila. Je n'y comptais pas. Mais tu pourrais enfin travailler sur le projet Animus. Notre version, bien sûr. Et avec nous, tu seras toujours libre de faire les choses comme tu l'entends. Bien. Je suis partante. Ce qui ne veut pas dire que je rejoins votre camp. Je comprends. Alors, c'est enrouler du scotch autour du bras pour tenir sa lame. Ou alors, c'est les colliers de serrage en plastique. Le meilleur moyen d'échapper à ce taré et de retourner dans l'Animus. Oui, mais parle-lui au taré. Parle-lui. N'approchez pas de mon portable. Je ne devrais pas, je sais. Quel manque de respect pour ta vie privée. Dis-toi que je veux seulement revivre tes mémoires. Bayek est mort. Je suis vivante. Tu as raison. Je te fais mes excuses. Mais oui, mais non. On vient mon réveil matin. Oui, bien. Est-ce pour Foxidas? Un présent? Non. C'est un souvenir. Je ne veux pas en parler, Damastès. N'est-ce pas à Bayek? Confie-le-moi, je vais l'apporter à Foxidas. Il adore ces objets. Et si je te tuais, t'en penserais quoi? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Nous avons dépassé Néapolis à l'aube. Si le vent se maintient, tu seras au Forum de Rome d'ici deux jours. C'est terminé entre Bayek et toi, hein? Je le sens. Aucune décision n'est aisée. Mais tu as été choisi. Et te voilà libre, comme moi. Un nouveau jour commence.
Alors, Mugivarum, épronage et tir de riposte. Épronage à navire. Couler un navire en épronant, accélère le rechargement. Tir de riposte. Maintenir L1 pour s'abriter et relâcher immédiatement après l'arrivée de tout. Oh, flotte romaine devant. Tu la vois? On ne devrait pas baisser notre garde. Faisons comme s'il nous attendait. On dirait que ça te réjouit. Oui, vieil homme. Je suis impatiente. Impatiente d'en finir avec tous ces chiens. Tu auras de quoi faire. Le monde ne manque pas de chiens. Ah, le mec avec son combo, il me donne tellement mal au bras. Ils nous ont repérés. Ces feux vont attirer leur flotte. Tenez-vous prêts. Ils arrivent. Indicateur de programme de tir. Faites-en de la charpie et rendez-les à la mer. C'est génial ça. Il y en aura des chants, notre honneur, en souvenir de cette journée. Si quelqu'un compose un chant, je me couvrirai d'algues comme une sirène pour le chanter. Crois-moi, tu le regrettes. Maintenant, finissons-en. Un autre par le fond. Il n'y en a plus qu'un à envoyer par le fond. Il est où? Il est où? Allez, Souquet, allure de rame. Il nous envoie des brûlots. Paramon. Nos navires sont trop proches. Ils vont nous toucher. Nous sommes débordés. Ces brûlots sont trop nombreux. Nous devons les couler avant qu'ils nous atteignent. S'ils nous touchent, nous sommes finis. Il faut les détruire. Non, c'est pas ça. Brûlons devant. Ah, il va nous toucher, celui-là. Allez, tenez-vous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Brûlons à tribord. D'autres brûlons sur nous. Aïe. Dieu, il y en a partout. On nous tient dessus. On tire. Ah, on tire. On est touché. Brûlons à bâbord. Ah non, je sais pas, je me plante. Ah, c'est plus facile quand il y a les canons, hein. Thank you.
évacuer! On a la puissance de feu pour les détruire tous? Impossible! Notre flotte est dispersée, et nos alliés nous ont abandonnés! Nous sommes finis! Réveille-toi, vieille barbe salée, et sauve ton navire! Une autre flotte, là! Ah! Zeus nous pisse dessus depuis le sommet de l'Olympe! Non, non! Ce sont Brutus et Cassius! Regarde! Et nos catapultes sont avec eux! Pourvu qu'ils les utilisent! Vite! Marins! Ne craignez pas ce monstre! On dirait un sinistre Léviathan, mais nous danserons autour de lui comme des sardines! Oh putain, j'ai eu... presque évité! Je crois que j'aurais dû. Philosophe? Ah, ce que nous aurions pu être. Un million de choses. Quelle bonne idée! Et si tu promets de les glisser dans la bibliothèque d'Alexandrie, notre légende vivra à jamais. Et ce chapitre sera certainement le plus lu de tous. On tire! Accrochez-vous! Allez les mecs, il ne reste plus qu'un. Aïe! Ah putain, je me prends les... Et on vous balance des bombes à son derrière. Voilà. Tiens, ça c'est cadeau. Bon, les mecs, faut rouler là. Allez. Bon, les mecs, vous gênez un peu là-dedans. Là. Je peux le toucher de là. Voilà. Allez. Allez, plus vite. Que pleuve le feu! À mort, démons avalés par les eaux! Ouais, fainéants! Rejoignez les autres! C'est un beau jour pour mourir! Vers quel port est-ce que tu nous conduis? J'aimerais essayer une ville appelée Antium. Son port accueille beaucoup de marchands. Ce sera plus sûr pour vous. De là, Rome est à une demi-journée de cheval. Dans quelques jours, César deviendra officiellement un tyran. Le voilà. Le peuple t'aime, César. Tu es un dieu. Le Sénat sera moins facile à convaincre. Cette assemblée de poules bavardes. Laisse-moi être ton loup.
Ne faites rien avant de signaler. Alors César est à la tête de l'ordre maintenant ? César est le père de la sagesse. César et toi, vous mourrez. C'est à l'ordre que tu t'attaques maintenant. Et l'ordre est plus grand que Rome. Retourne en Égypte avec tous ces menteurs. Mais... Mais voilà quoi ? Devient juste et nécessaire. Bah, je me prends des raclées. Tes armées. Je suis la grandeur. Je vais plonger ton ordre dans l'oubli. À genoux devant César, devant Rome. On est bien dans le camp du vainqueur. C'est nous qui écrivons l'histoire. César va te rejoindre dans les ténèbres. Ton fils s'est pissé dessus quand il a vu le couteau. Je vais jeter ton cœur au vautour. Tu n'as aucun honneur. Tu m'as tout pris, tout. Je suis un Gabignani. Je pensais que tu allais fuir, femme. Tu aurais dû en profiter pour disparaître. Flavius ne sera pas là pour te sauver cette fois. Les lois de Rome ne te protégeront pas. Ah putain! Heureusement, j'ai une grosse barre de vie, parce que... Moi, je veux les armes de ce mec, hein. Donc, ça, c'est... Bouah. Ah, ça. Non. Merde, j'ai raté le combo. Il a une portée de fou, ce mec. Et voilà. Sois maudite, Lupa. Le cœur de mon fils contre ta vie. La vengeance t'a apporté ce que tu voulais. Le Medjay et toi allez tremper votre couche de sueur ce soir. Le bâton... C'est l'ordre qu'il a. Je l'ai servi comme l'Égypte que tu aimes tant. J'aurai ma récompense dans l'autre monde. Pour l'éternité, du vin et des femmes parmi mes frères. La seule chose qui t'attend, c'est l'oubli. Pour ton nom. Ton ordre et les corps putréfiés de tes Gabignani. Capet dévore ton cœur fétide. César doit être à la curie, avec les autres sénateurs. Oui, j'aime bien prendre des photos. Voilà. Bien.
cet endroit grouille de soldats. On est vraiment à Rome. Là, on peut pas voir ça. Dommage. Mais Aya, t'aurais pu atteindre le niveau 40. Hein. C'est pas mon pied, il y a des boutons. Voilà, c'est bon, c'est une petite gueule. On n'a pas vu. Par contre, c'est là. Je vais pas se couper de lui. On n'a pas vu. Ouais, non. Aïe. Ah. Ah, je vais peut-être se mettre là. Ah, que ça tient dans le vide. Mais ta gueule. Ah, bon, laisse tomber. Ti
Il y a tout le monde qui rapide par là. Ah putain, fais chier ce jeu. Et cours. Où est-ce qu'elle a appris à courir par là? Allez. Deserte et caput tua. Ouais, très discret, on va à peine. Je ne demande qu'une chose, que vous vous joigniez à moi pour bâtir une nouvelle Rome. Une Rome dont tu serais le roi. Laisse parler César. Nous voulons une Rome qui offre la justice, la paix et des terres. On va lui enfoncer dans les couilles carrément. Le tyran est mort. Vous êtes libre. Je te connais. Toi qui frappes depuis les ombres. Le même sort s'abattra sur tous les despotes. À la fin, il est impossible de ne pas devenir ce que les autres voient en toi. Et j'ai été un dieu! Il existe un nouveau credo. Rome est éternel! Elle ne tombera pas devant toi, ni les tiens. La liberté ne se donne pas, César. La liberté se prend. Requiescat in pace, César.
C'est ce que tu as fait. Césarion se serait assis sur le trône de Rome. Écoute les cris dans les rues. Ils pensent que tu étais la putain d'un tyran. Je suis toujours ta reine. Tu es la reine des menteurs et des serpents. J'ai combattu 5 ans pour toi. Notre peuple te vénérait. Apollodorus est mort pour toi, pour l'Égypte. Pour l'Égypte. Je suis l'Égypte. Alors sois la reine que notre peuple mérite. Ou rien n'empêchera ma lame de te trancher la gorge. Tu es la dernière des pharaons. Voilà, en fait c'était Aya qui tue César, c'est pas Brutus. Bayek, César a été assassiné. Septimius est mort, lui aussi. J'ai créé un bureau au cœur de Rome. Mais personne ne connaît notre existence. Comme Amon, nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Je crois en toi. L'ironie de la liberté. Nous sommes libres l'un de l'autre, mais cela ne m'apporte aucune joie. Nous devons aller de l'avant, demeurer dans notre tourbillon de poésie sanglante. En dépit de tout, nous dansons, et ils meurent. Des ténèbres nous sommes issus, et dans les ténèbres nous resterons. Les humains ne sont pas promis à l'éternité, mais ce credo, si. Le credo est la seule chose immortelle en ce monde. Partez, vous êtes libre. Je ne veux pas rentrer tout seul. J'ai peur. Est-ce qu'on l'emmène au bureau ? Non. Je vais te ramener. Ne laisse jamais la peine peser sur ton âme. La vie est brève et le temps est cruel. Mais moi, je ne suis plus celle que j'étais. J'ai renoncé à tout l'amour que j'ai reçu. J'ai renoncé à Aya.
J'ai tué Aya. Je suis celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on appelle Amunette. Nos victoires se multiplient. Papo, saute. Et voilà, c'est la fin. Bon bah, ça n'est pas terrible à faire, au final. Pas très difficile, c'est pas ça. Le rôle de ceux qu'on ne voit pas. Travail dans le jeu. C'est dommage, ils n'ont pas assez développé le personnage d'Aya. Quand je dis développé, c'est un peu comme Ellie dans Assassin's Creed Syndicate, ça veut dire qu'elle avait son propre arbre de compétences, ses propres armes, donc. Là, c'est. Elle fait vraiment. Je sais pas, elle fait vraiment second plan. Alors qu'elle est quand même pas un personnage principal. Et je suis déçue aussi parce qu'on n'a pas tué Cléopâtre. Voilà. Je voulais tuer Cléopâtre.